Bien Playpalous et bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les plus suiveurs de ma chaîne auront remarqué directement une modification de ce que vous voyez habituellement. Je pense que vous l'avez vu, j'ai changé de cam. Ça y est, j'ai changé de cam les mecs. Je suis passé sur un format encore supérieur. J'ai acheté la Sony A7C. C'est pour pouvoir d'une être utilisé sur mes streams, de deux pouvoir avoir des formats comme ça, que ce soit les vidéos Call of Duty ou alors Z-Story qui revient très bientôt, etc. Bah encore plus quali, ça fait partie un petit peu de ma démarche de ces dernières semaines d'améliorer encore plus mon setup pour vous proposer encore plus de qualité. Alors en plus je reviens comme un grand prince, comme un grand roi les mecs, ça faisait quand même quelques jours que je vous avais rien sorti. J'avais pris un petit peu de temps pour moi, mes vidéos faisaient un peu moins de vues, tout ça machin, je me suis dit ok c'est pas grave, c'est normal, Cold War est sorti depuis plusieurs mois etc, donc c'est un peu en perte de souffle, donc on va rester un petit peu à part, surtout que j'ai quand même été à fond depuis novembre. Mais comme d'habitude je suis comme le sucre, vous me goûtez un petit peu puis au final même si je pars quelques temps vous dites attends, mais il y a quelque chose qui me manque là. Mais c'est pas ce bon gros Zach. Et bah ouais, ce bon gros Zach se présente en plus devant toi avec une Calvos de qualité. Nous allons aller sur Cold War. La game est en train de se lancer. On est en ligue et nous allons jouer. Bah, rechercher les structures. Alors, c'est pas le mode idéal parce qu'en plus, je voulais vous parler d'une nouvelle méta qui est adoptée maintenant sur le jeu depuis quelques temps. Surtout bah, par les professionnels, etc. Notamment les Américains. Donc, allons directement in-game. C'est parti. Let's go. Alors cette nouvelle méta va en étonner plus d'un parce que cette nouvelle méta, à moins que vous suiviez réellement la scène, ce qui est carrément possible, maintenant la méta est influencée par la QBZ. La QBZ, les mecs, une arme que j'avais taillée, je m'en rappelle, j'avais taillée dans une vidéo, j'ai dit ouais, la QBZ c'est une arme, elle a pas trop de sauce, elle a pas trop de flow, genre, tu sais, elle a pas de personnalité, j'avais dit, tu sais, t'as pas l'impression que c'est une arme de fou. Et maintenant, c'est une arme qui fait totalement partie des armes les plus utilisées, que ce soit par les pros en compétition, tout ça, machin. Alors, nous, en Europe, on a des pros qui ont des règles un peu différentes des Américains parce que, vous le savez, les pros, ils ont un truc qui s'appelle le GA, le Gentleman Agreement. C'est quand des mecs se disent « Ok, bah nous, les gars, on va pas jouer ça. » Ouh, j'ai failli choper. Ok, on assure quand même, alors que j'ai... Ouais, vraiment, j'ai eu... J'ai eu shoot Calamitax. Ça va. On sort le double, on sort le double. Donc ça, c'est quand les pros se disent entre nous « Ok, bah nous... » le triple était là. Bah, gros, va prendre la bombe. Ok, c'est un connard. Je vais prendre la bombe, c'est le dernier en ville, mec. J'ai le temps de récupérer la bombe. Je pense. Je prends la KU, désolé, hein. Je sais que c'est une vidéo où je vais vous montrer un petit peu la force de la QBZ, mais bon, il fallait que j'aille un peu plus vite, donc voilà. Donc, le Gentleman Agreement, c'est quand les mecs se disent « Toi, tu trouves ça OP ? Moi, je trouve ça OP. » Donc ça dit que tous les deux, on se dit qu'on arrête de l'utiliser. Alors, en soi, alors, désolé, mon aide, c'est déconnecté. Hop, voilà, attends, hop, reconnecte toi, connasse. Voilà. La kill cam finale, on n'est pas là pour rire. Ça, en soi, c'est une sorte de petit arrangement qui est voté dans des conversations DM où les mecs se disent « Est-ce que ça vous dit qu'on banne ça, qu'on enlève ça, qu'on enlève ça ?» C'est ce qui fait qu'ils bannent à des moments des trucs absurdes. Et moi, ce que j'avais dit, alors autant il y a des trucs, c'est compréhensible parce que Activision, bon, ils ont le temps de réaction qui est pas non plus qualité Netflix. Mais à côté de ça, les bonhommes, moi, ce que j'avais dit sur BO2, les mecs, ils auraient ban la MSMC, quoi, et la M8, et ça aurait joué et la Scorpion plus les IEM, tu vois. Donc, au bout d'un moment, c'est assez insupportable. C'est pour ça que, pour le coup, les pros américains, eux, ne l'ont pas GA. Ils se sont pas dit non là. J'ai pris cher. Eux ils se sont pas dit on veut. Ah la CRI, hein, c'est un grand classique. Eux ils se sont pas dit on veut enlever la QBZ, donc c'est assez cool. Alors le pire avec la QBZ c'est qu'elle est devenue méta comme ça. Genre y a des mecs qui se sont testés des classes, sont dit bah tiens, on va voir. Ils ont remarqué que d'une, bah elle avait pas de recul, mais une cadence aussi qui était assez forte et qui était capable de rivaliser avec la XM4. C'est ce qui fait qu'elle est jouée à l'heure actuelle. Elle a pas spécialement subi de buff. Alors habituellement, tu vois, les changements de méta, ça vient d'un nerf ou d'un buff. Donc c'est-à-dire soit ils ont commencé à pourrir une arme, ils se sont dit tiens, elle, peut-être un peu trop puissante, on va la rendre lui à chier. Ou tiens, elle un peu trop nulle à chier, donc on va la rendre un peu plus puissante. Donc c'est la logique un peu inverse. Attention à mon avis, hein, oh, le hitmarker. Oh, il a aucune chance, frère. Il doit être dans son dos et tout. Oh, il est paralysé. Dans son dos. Oh, à sa gauche, il l'a vu. Attention. Ok, il le tue sur la bombe. Attention, les mecs. F9 Noël, en espérant qu'il y ait une meilleure réussite que... L'Olympique Lyonnais, oui, le meilleur réussite. F9OL, mon gars sûr. On se rappellera qu'on a perdu 4-2 contre Paris, mais bon, c'est...
suis dégoûté. Donc oui, les mecs ont commencé à tester la QBZ, ils ont vu que ça fonctionnait. Donc c'est une méta qui est totalement lourde. Et je vous conseille, si vous voulez vous changer un petit peu, du grand classique XM4 AKU qui a été la méta ligue depuis un moment. Petite ligue, moi, qui me fait toujours aussi plaisir, même si le système de classement pue autant du cul. Bah voilà, ça bouge pas. Bon, du coup, sinon, à part ça, bah écoutez, moi je vais bien. J'ai le crâne un peu rasé. Cette dernière semaine, comme je l'ai dit, j'étais un poil moins actif. J'ai pris un peu plus de temps pour moi parce que bon, comme je l'ai dit, depuis novembre, j'ai été très, 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 très chaud. Là, il y a des nouvelles informations en plus qui sont sorties. Magnifique ce qu'il a mis. Il a mis le gros jump shot là. Ils sont sortis sur le prochain code. J'ai été nul. Hein. Le prochain code qui, a priori, se passerait dans les années 1950. Alors, les années 1950, d'après des leaks très, très intéressants, etc., les années 1950, d'un point de vue historique, c'est la guerre de Corée. Alors, un Call of Duty autour des guerres de Corée, j'avoue que ça pourrait être archi intéressant en termes de thématique. Après, je l'ai déjà dit sur l'ancienne époque World War 2, etc., ou les années 50-60, je trouve qu'on a déjà un petit peu fait le tour, donc je suis pas ultra hypé, mais on arrive dans la période fin mars où on va commencer à avoir des nouvelles qui vont arriver de plus en plus souvent. Sachant qu'en plus, il y a le patch demi-saison. C'est aussi pour ça que je sors moins de vidéos Call of Duty. Il y a le patch demi-saison qui arrive dans une semaine, donc ça va redonner un petit coup de boost à la saison qui en a bien besoin, parce que même si Apocalypse était une bonne map, bah, elle manque un petit peu de contenu, et même moi à l'heure actuelle je joue un peu moins au jeu. Même vous, je pense que vous avez un petit peu moins d'intérêt. Peut-être vous me regardez parce que vous m'aimez bien, peut-être que le jeu vous tient à cœur, ça se trouve, mais... Oh magnifique, vous êtes de moins... Oh, vous êtes de moins en moins pour qui c'est le cas à avoir un grand grand intérêt pour ce jeu. Et c'est normal que qui sort en novembre, en mars, avril, bon, ça intéresse moins les gens et ça revient un peu à la fin avant la sortie du prochain. C'est classique shit, y a pas de problème. C'est pour ça que moi de mon côté, je suis en train de développer aussi autre chose. J'ai contacté des rédacteurs. Donc pour Z-Story là qui va revenir, ça c'est un format que j'aime bien parce qu'il est intemporel, donc il fonctionne tout le temps. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal de Z-Story qui ont fait beaucoup de vues. Et vous avez vu, dans Z-Story, j'ai parlé de paris sportifs, d'histoires sérieuses, de trucs e-sport. Oh attends, la Ninja Diffuse. Si c'était passé, ça aurait été grosse bite hein, quand même. Hein. Donc j'ai parlé dans Z-Story de plusieurs choses, de paris sportifs, de structure e-sport, de tonnes de choses. Vous avez en général toujours kiffé, même d'histoires liées à Twitch et tout. Et donc là, j'ai en gros fait un appel d'offres pour venir être mon rédacteur. Il y a plein de mecs qui ont répondu. À ces mecs-là, je leur ai tous fait faire un script autour d'un sujet précis qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Et là, il faut que je les trie, il faut que je vois quel script me plaît, quel script me plaît pas. Je les paye tous pour ça. Voilà, comme ça, moi j'ai dit j'investis. Isaac, hein, je vais tout payer tous les rédacteurs qui m'auront écrit un script, même ceux que je vais pas utiliser. Comme ça, je vais pas taffer les gens pour rien. Et voilà, donc j'ai acheté ça, plus la nouvelle caméra, plus le prompteur. Et entre ça, le concours de blagues, quelques petits autres concepts URL qui pourront venir, et de temps en temps des petites vidéos gaming, je pense que ce sera la direction de ma chaîne ces derniers temps. Un peu moins de Call of Duty, tout ça, un peu plus de trucs IRL et compagnie, mais toujours quand même... Je l'ai vu, hein, je l'ai vu, le pauvre. Je te jure qu'il a tellement pas de chance. La petite dose de Call of Duty ou de gaming qui est quand même qui fait quand même plaisir, qui est pas forcément nécessaire, je dirais pas qu'elle est obligatoire, mais qui est quand même cool. Habituellement, je vis quand même les autres années. Ça fait des années que je suis créateur Call of Duty. J'arrive toujours à quand même vivre et m'en sortir, même quand il n'y a pas la sortie du prochain. Puis quand la sortie du prochain, on en verra encore de l'activité Netflix en veut tiens. Voilà, en tout cas, merci pour tous ceux qui suivent cette chaîne encore depuis des années. C'est vrai qu'en ce moment, comme je l'ai dit, hein, c'est un peu plus creux. Je fais un peu moins de vues, 30, 40, 50 000. Mais au final, c'est que des chiffres. Vous représentez quand même des dizaines de milliers de personnes à être là, que ce soit en stream ou en vidéo. Et donc, on est ensemble. On est ensemble, on évolue ensemble et on s'implique ensemble. Et ça me fait très, très chaud au cœur que vous soyez là. Voilà, maintenant je vais arrêter de vous sucer goulûment la bite parce que sinon vous allez prendre la confiance et ça je déteste. Ok, je te parie qu'il y en a un qui va venir à la fenêtre là. Je te parie. Non, ok, personne sur la longue gauche. Peut-être à la fenêtre ici. On va jeter une para. J'ai stun. Ah, du coup j'ai pas stun mais il y a quelqu'un. Là on s'allonge. Là je fais la pétasse là. Ok, Zach la pétasse et on a un V2. Et puis là ça veut dire qu'il a backé. Hop. Je jure que j'ai l'impression qu'il s'est rendu. Oh, j'ai eu tellement peur. Oh, ça se trouve, il m'a suivi. J'ai cru l'avoir entendu à un moment et tout, mais terrible. Sinon, il m'aurait exécuté. Oh là 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 là. Attends, attends. Oh, j'ai éternué comme les grands-pères au bled. Gros éternuement de daron, incroyable. Incroyable. Bon, par contre, mes alliés, bon, on gagne 4-2 et tout. Va falloir mettre un peu plus de dégâts là. Quand on voit les dégâts, il y en a certains, ils sont pas totalement au poil. Attention, 4-2. Ça me fait plaisir aussi, une petite recherche et destruction. Alors, forcément, quand j'avais envie de vous présenter la QBZ et de vous dire qu'elle est lourde, c'est un petit peu difficile de faire en recherche et destruction parce que c'est un poil moins proactif. Mais, c'est quand même pas mal. J'ai quand même fait quelques kills, quelques trucs pour vous convaincre. Y a quelqu'un?
Et là, ça joue MP5, il a fait un premier kill, c'est bien. Vas-y, je vais avancer. On va avancer en équipe. On se retourne, on regarde un petit peu le mid. Hop, personne. Allez, je suis avec mes alliés. Hop. Trophy posé. On fait le move à deux. Ok, le kill. Le kill qui est pris. Oh, il est juste là. Oh, monsieur! Venez prendre votre coup de coude dans votre mère, hein. T'as cru quoi? T'as cru que... Hein, ce chauve là, t'as cru que tu pouvais lui faire quelque chose? Eh ben non, mon frère. Eh ben non. J'ai eu peur. Eh ben non. C'est aussi pour cette raison que moi, je cut avec la palette. Ah, tu l'as senti, mon con, hein? Tu l'as senti. Fuck les pros. Fuck les pros qui veulent bannir la QBZ, là, et GA, la moitié de la Terre. Là, ça, je rigole. En plus, les pros, ils ont besoin d'exposition. C'est pas bien de dire ça. Je vanne un petit peu. On continue. Peut-être le dernier round de cette recherche et destruction. Zach qui est bien en B. On va continuer à être en B. Hop. Ok. Donc, ça s'est suicidé. Et il a mis un trophy. S'il a mis un trophy, ça veut dire qu'il y a de bonnes chances qu'il arrive devant moi là. Attention. C'est tendu. Je recherche le monsieur qui est sûrement là. Non? Pas là non plus, ça veut dire qu'il a bien backé. Ok, il a pris un kill, 2 contre 2. Il y a moyen qu'il soit au mid là. Genre ici ou alors à droite. Et je reste dans le coin. Zach la pétasse. Oh, Zach la pétasse qui a raté la bombe posée. Oh, Zach la pétasse qui a vu le mec là. Je l'ai vu. Et avec sa tête qui dépassait, c'était dur. C'était dur là pour le coup. Aïe 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 aïe, bah non, au mid, y'avait quelqu'un qui était plus intelligent que moi. Dommage, si j'avais pris le premier kill, ça aurait pu être quelque chose de plus consistant, de plus good. Dommage, j'ai un peu merdé là. En fait, j'ai hésité entre... Parce que tu sais, il est allongé, donc j'ai hésité entre y aller, escalader comme un débile et quitte à mourir, tu vois, ou alors tirer dès qu'il y a eu sa petite tête qui a dépassé. On s'est chié dessus, c'est pas grave, ça arrive. Allez, let's go, let's go, let's go. Il faut faire attention quand même, hein. 5-3. Moi, j'ai raconté une anecdote dans le dernier Radio Street, là. Des remontades en SND, j'en ai connu, hein. Une remontade en SND qui m'a coûté 300 balles. Et qui m'a fait faire n'importe quoi. On a pris l'avantage. Je l'assume encore des années après, hein. La GA 2014, putain. Rendez-nous les LAN. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur, l'allié. Alors c'est bon, on a pris un gros kill, là. Grâce à la QBZ qui bouge pas. En 5, tu fais jouer les gens avec des armes toxiques. Ouais, ouais, bah écoute ça. Tu crois quoi? On vise. Attention. Ok, grand bac. Grand bac et un au mid. Ok, grand bac personne. Je suis mal placé de fou. Je vais là. Je suis mal placé de fou. Ok. 2v1. Ok, c'est bon la bombe. C'est bon, c'est validé. J'ai eu peur pendant un instant, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'étais sûr qu'il allait revenir par là. 2000 de dégâts, premier de la game. Oh là, joli le kill, joli, joli. Premier de la game, premier de mon équipe. Bon, je pense que les travaux étaient faits. Je joue à la QBZ, les mecs, ça change. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dans la semaine pour d'autres aventures. Et je vous dis, et allez regarder le best-of. Bon, d'enfoiré, comment ça, 20 000 vues? Franchement, il est cool, il est lourd. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.